Bonjour tout le monde. Bienvenue sur ma chaîne. Dites adieu aux rides avec ce remède naturel. Je vous présente dans cette vidéo la recette d'un anti-ride miraculeux que l'on peut facilement faire soi-même. Avec les années, les rides et les ridules apparaissent. On n'y peut rien. Mais pas la peine d'acheter de crèmes anti-rides pour autant. Non seulement, ces crèmes coûtent cher mais elles sont souvent pleines de produits toxiques. Heureusement, il existe un produit anti-âge miracle 100% naturel que l'on peut faire chez soi. Super facile à faire et très économique. On aura besoin de un citron de préférence bio, 10 cl de lait, 10 cl de crème fraîche épaisse. Dans une casserole, versez la crème et le lait. Faites chauffer doucement sans bouillir. Versez le mélange sur le citron. Couvrez et laissez reposer 2 à 3 heures. Appliquez le mélange directement sur le visage. Massez légèrement votre visage en remontant. Laissez agir et sécher 30 minutes. Rincez avec un gant de toilette mouillé. Appliquez ce masque matin et soir plusieurs fois par semaine pendant plusieurs semaines. Si votre peau est grasse, utilisez 2 rondelles de citron supplémentaires. Si elle est sèche, mettez une seule rondelle et doublez la quantité de lait et de crème. Utilisez de préférence des ustensiles en bois et non en métal pour cette recette. Le citron est fortement concentré en vitamine C, ce qui en fait un antioxydant naturel puissant. Massez bien le visage avec les mains afin de pénétrer le produit dans la peau et la défroisser. Cela fait quelques semaines que j'ai commencé ce soin et je peux vous dire que je vois clairement les améliorations sur ma peau. Évitez la proximité directe des yeux, le citron pourrait vous piquer. Ne sortez pas au soleil après une application, le citron est photosensibilisant pour certaines peaux. Vous avez testé cette crème anti-rides au citron faite maison? Dites-nous en commentaire si ça a été efficace pour vous. On a hâte de vous lire. Voilà pour aujourd'hui. N'oubliez pas de partager et surtout de laisser un commentaire, je répondrai avec plaisir. À bientôt et à la prochaine vidéo.